présenter vous avez coupé dans le rôle là. Il est dans le... Ah, c'est impressionnant. Vous avez filmé ou pas? Ceux qui sont frais, ils ont tout compris. Oh, freedom! Oh, freedom! Oh, freedom over me! And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave, going home to my Lord and be free. Ce chant de l'esclave montre à quel point le cœur de l'homme enchaîné crie liberté, liberté, liberté. Cette liberté si chère à l'homme que Sékou Touré crachait au visage de De Gaulle en 1958, nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'esclavage dans la richesse. Déclaration qui lui valut d'être l'ennemi de notre douce France, pays des droits de l'homme, dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Pascal Krop, dans son ouvrage « Les secrets d'espionnage français de 70 à nos jours », nous révèle les différentes tentatives de complot qui ont été fomentées par la France pour déstabiliser cet homme qui avait dit non à De Gaulle. Que dira-t-on donc de cet homme qui a choisi la liberté plutôt que l'esclavage? Dira-t-on qu'il n'a rien compris? J'entends ici ma contradictrice murmurer entre ses dents que voilà bien un homme qui n'a rien compris. Il aurait dû plier comme le roseau. Cela lui aurait permis d'écouler de longs jours heureux. Mais enfin, ma chère consoeur, savez-vous ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est l'état de la conscience pleinement satisfaite. C'est là le but ultime de tout homme. Tout ce qu'on attend, c'est d'être heureux, nous dit la chanson française. Enfin, quelque chose comme ça. Et celui qui est heureux, il a tout compris. L'esclave ne travaille que pour le bonheur de son maître, pour sa prospérité. Et lorsque je parle de maître, il ne s'agit pas simplement de cette personne qui vous possède. Ce peut être la peur qui vous terrifie. Ce peut être la cupidité qui vous anime. Ce peut être l'ambition démesurée. L'homme cupide n'aura jamais assez d'or pour avoir la conscience pleinement satisfaite. Celui qui vend sa liberté pour la gloire n'aura jamais assez de gloire pour être pleinement satisfait. Satisfait, pardon. L'agoraphobe qui est terrassé par sa peur de la foule ne sera jamais heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est en se libérant de cette peur qui le terrifie, qui le paralyse, qu'il sera heureux. Mais lorsqu'il s'est libéré, il a tout compris parce qu'il a trouvé en lui le secret du bonheur, but ultime de l'homme. Alors, mes chers amis, soyez free. Libérez-vous, lâchez-vous, relâchez-vous. Et enfin, vous pourrez chanter, comme le disait Martin Luther King, « Free at last, let's pray, God Almighty, we are free at last.